Nous continuons dans cette thématique déclencheur et nous regardons ensemble différents éléments qui peuvent déclencher ou redéclencher la foi. Amen. C'est notre désir que notre foi soit déclenchée, soit active pour le Seigneur. Alors, en tant qu'Église et en tant que groupe de croyants, nous voulons voir, avoir une foi active et profonde afin d'attendre une multitude. Il y a ce principe de, que notre ami Andy Stanley apprend dans son livre « Deep and Wide » qui dit, « Voici, si tu veux avoir, si tu veux atteindre une multitude, nous devons être des croyants qui d'abord ont une foi profonde, une foi bien ancrée, enracinée, une foi « deep ». Et si nous voulons avoir une foi profonde, nous avons toujours, nous devons toujours avoir en tête que Dieu a pour but d'atteindre la multitude. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, alors que l'entrée arrive, alors que nous voulons être une église qui va atteindre les gens et qui a un impact dans sa communauté, nous devons nous-mêmes être d'abord impactés. Soit impacté si tu veux avoir un impact, Sois influencé par Jésus-Christ si tu veux influencer les autres dans ton entourage. Amen. Alors, c'est ce principe que nous appliquons au travers de cette thématique. Et lorsqu'on s'arrête à nos histoires, on réalise que dans nos vies, dans notre vie de croyants, la plupart d'entre nous, on a vécu ces moments où notre foi a été, a été déclenchée. On a vu ensemble la semaine dernière avec mon ami Warren que parfois, c'est au travers des situations pivotales, des situations de crise, où il y a un, un, un défi, un problème, quelque chose qui nous ébranle. Et au travers de ce moment où ce qu'on est ébranlé, notre foi est déclenchée. Il se passe quelque chose, une tournure d'événement, et Dieu utilise cet événement-là pour sa gloire. Nous avons vu aussi que parfois, certains d'entre nous, c'est au travers d'un message, alors qu'il y avait une prédication pratique et que tu as mis en pratique la parole, ça l'a déclenché ta foi. D'autres, c'est au travers de ta dévotion personnelle que ta foi est dé déclenchée. On va le voir la semaine prochaine avec pasteur Guétan. Et pour certains c'est en faisant quelque chose que ta foi s'est déclenchée en participant c'est le titre de mon message la participation au travers une participation lorsque fait l'œuvre que Jésus bénit, ça peut déclencher notre foi je me rappelle un des moments où ce que ma foi a été déclenchée ou que ma foi a été disons redéclenchée à plusieurs reprises au travers alors qu'à un moment donné j'étais jeune adulte et et j'étais en fait jeune, jeune adulte, il faut dire. Et, euh, et en fait, euh, moi et un ami, on prenait du temps ensemble, et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il est pasteur à la chapelle David Merck. Et moi, puis lui, on prenait du temps ensemble et on allait dans les parcs de, 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 notre, de notre quartier. On allait dans les parcs et on allait inviter les jeunes, c'était le soir tard, les jeunes qui étaient avec des bouteilles, avec toutes sortes de choses et toutes sortes de senteurs. Et toutes sortes de... Puis on allait les voir, puis on commençait à jaser avec eux, puis c'était juste un prétexte. On, on les invitait à notre groupe jeunesse, mais c'était juste pour démarrer une conversation puis on commençait à s'intéresser à eux puis après ça on prenait leur nom en note puis on allait prier pour eux puis et ces moments-là où ce que je sentais que je participais à une œuvre que Jésus bénit, ça motivait ma foi ça le fait exploser ma foi ça le fait étirer ma foi parce que ça prend du courage, ça prend tes défis, tu n'as pas toujours envie d'aller dans ces terrains-là, mais lorsque Dieu bénissait, on était réjouis de ça. Certains d'entre nous, c'est juste en, en participant aux réunions le dimanche matin que ta foi a été, a été déclenchée. En participant, je me rappelle d'avoir entendu des témoignages, Max, j'ai participé à un voyage missionnaire. Et durant ce voyage humanitaire, ce voyage missionnaire, ça a déclenché ma foi, ça l'a étiré, fait agrandir ma foi. Au travers de ma participation, un petit groupe et toutes sortes Lorsque tu participes à quelque chose, ça déclenche ta foi. Combien ont déjà vécu ça? Tu participes à quelque chose, ça déclenche ta foi. Et Jésus veut nous amener dans ce terrain-là. Jésus veut nous amener à participer à l'œuvre qu'il a préparée pour nous et qu'il bénit. On va lire le texte ensemble en Matthieu, chapitre 14, verset 14. Si tu as ta Bible, tu peux la sortir. Combien ont leur Bible? Tu peux la, la brandir au et fort. Okay. Combien ont leur téléphone intelligent dans ce cas-là? Peut-être que là, je vais avoir plus de popularité. Génial. Tu sais que sur ta, ton téléphone, tu peux downloader l'application Église Le Portail. Et tu vas avoir accès à une Bible ou sinon même une Bible audio ou une Bible. Tout simplement, tu peux downloader cette application-là pour avoir constamment ta Bible avec toi. C'est un outil, utilisons-le pour nous. Et sinon, euh, si tu n'as pas de Bible et si tu ne veux rien savoir d'ouvrir ta Bible, ce pas grave, on va l'afficher à l'écran pour toi. Okay? Donc, ça va être là, c'est sûr. Génial. Alors, voici Matthieu 14, verset 14. Matthieu 14, 14. Et voici ce que ça nous dit. Quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de, de pitié ou de compassion pour elle et il guérit des malades. Je m'arrête ici parce que c'est incroyable. C'est juste ça que Jésus fait. Ça, c'est Jésus. Il est là, il voit des gens qui arrivent, il voit une foule qui arrive et lorsqu'il y a des gens qui arrivent vers lui, qui sont curieux, qui veulent savoir, les gens sont pas croyants. Hein? Les gens ne savent pas c'est qui Jésus, mais lorsqu'il y a ces gens qui viennent vers Jésus, Jésus est pris de compassion vers des gens qui sont curieux à savoir et il va s'arrêter à eux, il va tendre la main, il va prendre du temps pour eux. Alors, même si tu ne le connais pas, si tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus actuellement, j'aimerais te dire que tu es peut-être ici euh, par curiosité, peut-être ici parce que ta blonde te traîne ici, un classique, ou peut-être peut ici pour X, Y, Z raison, mais Jésus, lorsqu'il voit des gens, qui ne sont pas sûrs, sont un peu attirés par la foule, sont un peu... Il tend la main, il veut impacter, il a ce désir de percuter ta vie parce que c'est ce que Jésus fait. Il impacte la vie, il percute la vie des gens, peu importe leurs croyances, peu importe leur style de vie, leur destination, leur origine, peu importe leur passé ou leur présent, Jésus est concerné pour leur futur et leur éternité. Il va tendre la main, il prend un temps, il s'arrête et commence à... À juste prendre soin de la foule et des gens qui sont là. Voici, on continue. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent Cet endroit est désert, il se fait tard, renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les, les villages voisins s'acheter de la nourriture. C'est drôle, hein Je m'arrête encore. C'est drôle parce que ça, c'est comme un classique. Jésus, il y a un problème. Il a un problème. Il se fait tard, on n'a pas de nourriture. Jésus, Jésus, arrête tout, là. On, on, on a un problème. Euh, mais on a la solution pour toi. On a la solution pour toi. Voici, renvoie les gens dans les villages, euh, puis ils vont pouvoir aller chercher de la nourriture. N'est-ce pas, pas, des fois, notre réaction? J'ai un problème, mais Jésus, Jésus, voici comment tu peux répondre à mon problème. Voici quoi faire, hein? Pas notre... Voici ce que tu peux faire. Euh, Seigneur, euh, euh, occupe-toi pas de mon problème. Euh, Occupe-toi-en, occupe mais de telle manière. Je vais te dire comment ça marche. Je vais, je, moi, je sais comment ça va fonctionner. Mais Jésus répond euh, Ils n'ont pas besoin de s'en aller, d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Quoi? Non, c'était pas ça la solution. C'est de les renvoyer. Ils vont trouver à manger. Ils vont s'acheter eux-mêmes à manger. Ça, ça va être correct. Ils ont de l'argent. C'est correct. Renvoyer. Non, non. Donnez-leur. Vous faites-le. Vous fait -le toi même fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Tu sais quand on se fait dire ça des fois là. Dernièrement, j euh, j dans ma cour, j'avais mon cabanon, puis euh, il tombait en ruine, puis il était en fait tout moisi. puis J'ai été obligé, forcé, il n'allait pas passer l'hiver, donc j'étais obligé de le détruire, mettre à terre. Je suis allé dans un magasin grande surface, m'acheter un nouveau cabanon, et celui que je voulais, il n'en restait plus, sauf le démo. Et le, le grand boss, le big boss du magasin, il me dit OK, voici, je te le vends à prix moins cher, puis tout ça, fin de saison. Puis vu qu'il me reste juste le démo, bien, je te le vends encore moins cher. Un super bon prix, puis en plus de ça, je vais te livrer chez vous comme ça, PAU! Moins cher, moins de job, vendu. <laughs> pas tant manuel que ça, là. Fait que, OK, ça, on va le prendre comme ça, ça va être parfait chez nous, pif pas je fais juste aplaner ça, ça va s'en venir. J'attends le jour de la livraison, j'appelle les gens, oui, oui, ça va être livré, Monsieur Desormeaux, tout va bien, super en après-midi, ah oh, ouais, c'est bon, OK, super. Et finalement, je reste chez nous toute la journée ils n'arrivent pas. Le soir, je reçois un appel. On a eu des petits problèmes euh, livraison, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait, tout ça. Fait que, euh, on va remettre ça, mais on, a, on va trouver une solution. Génial. La semaine d'après, voici, on va vous livrer, monsieur. J'appelle, tout ça, tout est beau. J'arrive, je reste la journée toute entière chez moi à attendre les gens du magasin Grande Surface Jaune. Et, euh, <laughs> et, et euh, ils n'arrivent pas. Et là, vous savez, tu sais, quand on est chrétien, là. Mais tu sais, comme ça fait deux fois que tu me niaises de même. Il <laughs> sait pas, lui, que je suis chrétien. là Je pourrais y en donner, tu sais, juste au téléphone. Il me voit même pas. Mais Mais... <laughs> Et là, finalement, je réussis à finalement parler avec le Big Boss. Il me dit Écoute, finalement, pas capable de monter ton cabanon sur un, un, un camion de livraison. C'est trop haut, ça marche pas. Je vais, je vais accrocher les ponts. Donc, je peux pas te le livrer comme ça. Je vais te le démonter au complet, puis il va tu le remontes toi-même. Oh! <laughs> Peux-tu m'envoyer quelqu'un pour le monter <laughs> Fais-le toi-même. Tu sais des fois quand on se fait dire fais-le toi-même mais c'est juste plus compliqué. Ça apporte juste plus de frustration, ça juste plus de complications, c'est du travail. Il me semble c'est plus simple d'envoyer les gens chez eux aller chercher de la nourriture. Puis j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources. Je suis pas bon pour faire ça, fais-le toi-même. C'est ce que Jésus dit. Parce que je crois que Jésus veut nous faire participer à son miracle. Jésus veut nous faire participer à son miracle. Puis quand on s'arrête, c'est toujours important de se le rappeler, on le rappelle souvent, mais à qui Jésus parle à ce moment-ci? Il parle à ses disciples. Et on va se dire, ses disciples, c'est un peu n'importe quoi. Hein? Tu sais, ses disciples, c'est. C'est des gars, des gens bien normaux, qui ont appelé comme ci, comme ça, Il sans aucun avertissement. Les gars, ils n'ont pas eu d'entrevue, hein? Ils n'ont pas passé de test. Ils n'ont pas passé d'entrevue. Jésus, bah ben, OK, ouais, ok, ouais, suis-moi, suis-moi, let's go, tu, puis tu vas devenir mon disciple. Ils n'ont pas passé de test. Ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Ils ne savent juste pas dans quoi ils s'embarquent. Souvent, quand euh, je fais une cérémonie de mariage, je regarde le, le, le jeune couple que je suis en, en train sur le point de marier, puis je leur dis. Vous ne savez pas dans quoi vous embarquez. Hein? Vous savez pas dans... Et on a la même réaction que vous. Oh, ouais, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Mais moi, je le dis dans le sens, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Hein? C'est la plus belle aventure que tu t'appointes à vivre, de, de vivre une aventure des montagnes, des hauts, des bas, mais toujours avec quelqu'un ensemble, en équipe, et à travailler et à vivre des victoires ensemble. N'est-ce pas merveilleux le mariage? <laughs> Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Et les gars, ils se font juste dire, viens temps Des gens bien ordinaires, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Mais Jésus les a appelés et Jésus les a utilisés. Ils sont pas parfaits. Leur comportement n'est pas parfait. Ils n'ont pas atteint un standard chrétien. Ils ont peut-être pas les bons mots. Ils ont peut-être pas les bonnes réactions. Mais Jésus dit, faites-le vous-même. Ils ne comprennent, comprennent pas entièrement que Jésus est le Messie. Leurs croyances ne sont pas à niveau, si on voudrait dire. Leur théologie n'est pas développée. Ils n'ont pas une conception que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Ils ne comprennent pas tout ça encore. Ils ne croyaient pas à Jésus à la base. Puis ils ont suivi Jésus. Après ça, ils ont cru. Après ça, ils ont douté. Après ça, ils ont arrêté de croire. Après ça, ils ont recru. Je ne sais pas si ça se dit, mais ils, ont... ils sont revenus à Jésus. Et peut-être que c'est ton cas, peut-être que c'est ta situation. Parce que parfois, on, on croit, on arrête, on doute, on se passe, hein, ça fait des semaines, tu es, es éloigné de Dieu, puis tu es ici ce matin. Puis Jésus leur dit, à ses disciples, leur dit, voici, tu peux participer au miracle. Mon point, c'est que nous pouvons tous participer au miracle. Nous pouvons tous, tout le monde ici peut participer. Au miracle, tout le monde qui nous écoute en ligne, vous pouvez participer au miracle. Nous pouvons tous participer au miracle. Peu importe ton comportement s'il est adéquat ou pas, peu importe où ce que tu en es rendu dans ta marche spirituelle, peu importe le niveau de tes croyances, peu importe à quel point tu es avancé dans ta marche avec Jésus, peut-être que tu te considères quelqu'un de bien ordinaire, mais nous pouvons tous participer au miracle. Nous pouvons tous participer de différentes manières. Nous pouvons tous participer juste à l'église ici le dimanche matin. Nous sommes tous les bienvenus. Nous pouvons tous être ici, même si tu te sens indigne, même si tu as passé la pire des semaines, même si hier c'était pas une belle journée pour toi. Nous pouvons tous être présents dans la présence de Jésus. Il est au milieu de nous. Nous pouvons tous participer, que ce soit à l'Église, que ce soit même en s'impliquant à l'Église. Tu peux participer même sans être un, un membre officiel, sans avoir suivi trois, quatre cours. Nous pouvons tous participer à l'Église. Nous pouvons tous participer, que ce soit même en implication. Nous pouvons même participer. Euh, J'aime le fait que les ados sont super impliqués à l'église de porteur à Terrebonne. C'est une joie de voir des ados qui, qui forment les dimanches matin avec les classes, dans les, avec les enfants et tout ça, qui sont partout et qui s'impliquent, qui s'investissent et qui bâtissent cette église. Nous pouvons tous participer au miracle. Parce que le fait de participer ne fait pas de toi un disciple. Le fait de participer ne fait pas de toi un disciple. Ce qui fait de toi un disciple, c'est la première étape, c'est lorsque tu décides de suivre Jésus. Le, le fait de participer est un moyen pour que nous amenions des gens dans cette vie de disciple et à décider de suivre Jésus et aller plus loin avec Jésus. Amen. Mais parfois, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être impliqués trop tôt, trop jeunes, pas assez ci, pas assez ça? Peut-être. Peut-être. Mais je crois qu'en tant qu'Église, on va avoir la maturité d'accepter ça, de juste tendre la main, de faire grâce, de donner une seconde chance, de, de rester en contact avec les gens. Pour qu'ensemble, nous fassions comme Jésus. Il a dit, faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Donnez-leur vous-même à manger. Tu sais, il y a cet élément de, de vous que j'aime. Donc qui appelle euh, euh, cet aspect communautaire parce que dans les disciples, ils ne sont pas tous au même niveau. Leur niveau d'engagement n'est pas le même pour tout le monde, on est tous différents. Donc les disciples de Jésus ne sont pas tous au même niveau si on veut. Ils ne sont pas tous prêts, mais euh, ils sont prêts, ils sont tous prêts à écouter, à se soumettre à ce que Jésus demande. Ils ont tous la bonne intention, l'intention de s'approcher de Jésus. Alors ce n'est pas le comportement, pas les croyances mais Jésus veut que ces gens participent. J'aime le vous, l'aspect communauté. Vous savez, je vais même aller un peu plus loin. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez bu votre café ou votre thé glacé? Donnez-leur vous-même à manger. Vous savez, nos croyances, mes croyances en fait, sur euh, ma vie, ma vie spirituelle, ou même sur l'univers ou euh, la vie après la mort, toutes mes croyances, mon système de croyances, sont socialement construites. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de prendre une décision individuelle d'une manière indépendante. Ça veut dire que mon contexte social dans lequel je vis et j'évolue détermine en grande partie la gamme d'options que je peux choisir ce qui se retrouve devant moi. En fait, ça veut dire que certaines idées, certaines décisions semblent plus plausibles ou plus attrayantes que d'autres, parce qu'elles sont acceptées par mon cercle social, mon contexte social, ma communauté en d'autres mots. Alors concrètement, ça veut dire que c'est difficile de croire en quelque chose que tout le monde que nous connaissons dans notre cercle, et surtout notre cercle rapproché, pense que c'est fou. Si tout le monde dans notre cercle proche pense que c'est fou, ça va être difficile d'y croire. Et de la même manière, à l'opposé, si les gens dans ton contexte social croient que c'est une bonne chose, que c'est une bonne décision, que c'est. Eh bien, ça va t'encourager dans cette voie-là. Est-ce que vous me suivez? Ça a du sens? Donc, c'est la force de ton contexte social sur ta prise de décision. De la même manière, si, par exemple, tu as grandi dans une famille où ce que ton cercle très rapproché croit que le ketchup va dans l'armoire et non pas dans le frigidaire, d'air, ou que le beurre va dans l'armoire et non pas dans le frige d'air, et là, tu arrives et tu épouses une femme, et cette femme-là a grandi dans un contexte où le ketchup et le beurre est dans le frige d'air. Et là, tu es défié parce que, voyons, je, tout mon monde... Non, on croit que le ketchup va dans le frigère. Vous voyez, ton système est, est, est influencé par ton contexte social très rapproché. Alors là, il y a, il y a un défi, et évidemment. Finalement, le ketchup et le bar finissent dans le frigère. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas, pas mon cas en passant. Ce n'est pas mon histoire personnelle. Je ne suis pas en Mais de la même manière, maintenant, que ta foi en Jésus-Christ, ta foi en Jésus-Christ... Est une décision personnelle parce que c'est une relation personnelle, donc très individuelle. Ça ne concerne que toi et non pas ton entourage. Ça peut impacter ton entourage, mais ta décision à la base est entre toi et Dieu. Le fait de suivre Jésus, c'est entre toi et Dieu. Mais ce que je dis, c'est que la communauté et ton cercle social, ton contexte social, va faciliter ou même encourager et peut encourager la foi. C'est la force du contexte social sur tes croyances. Est-ce que vous me suivez? Donc, si on applique ce principe à l'Église, <laughs> vous êtes toujours là, ça veut dire que tout à coup, on se rend compte que l'Église locale n'est plus juste l'histoire d'un gars qui est en avant tout seul en train de prêcher, ou que l'évangélisation, le fait de partager la bonne nouvelle de Jésus n'est pas juste réservé à une élite ou à ceux qui ont un appel spécial. On réalise avec ce principe que le rôle de la communauté et du nombre devient important sur la croyance des individus. Parce que la communauté peut encourager, faciliter la foi chez un individu. Alors juste le fait de participer à l'Église, tu es en train d'impacter la vie de quelqu'un ici. Juste le fait d'être ici ce dimanche matin et d'être de t'être levé, de t'être peigné, de t'être lavé, je pense, j'espère, et d'être ici fait une différence sur la vie de ton voisin parce que la force de la communauté est de la croyance. Maintenant, ce qui est intéressant encore plus si on va encore plus loin, c'est que la communauté devient un élément crucial dans la tâche de partager l'évangile et même encore plus loin, c'est que cette communauté devient une sous-culture qui démontre à quoi ça ressemble de s'aimer les uns les autres, qui démontre c'est quoi suivre Jésus, c'est quoi servir les gens, et dans une harmonie. La vie de l'Église est une vie, la vie communautaire de l'Église est différente que la vie communautaire en général. Il y a quelque chose de particulier. Ils s'aiment les uns les autres. Ils servent ensemble. Ils sont pas pareils, mais ils servent ensemble. Il y a quelque chose qui les unit. Ils sont dans une harmonie. Il y a une paix qui est au milieu d'eux. De Il y a une unité dans l'Église. Waouh! C'est quelque chose de particulier. Et en plus de ça, c'est que cette Église se transporte même dans la vie du quotidien, parce qu'elle prend place, oui, les dimanches matins, mais en plus de ça, elle prend place euh, dans, des, dans des petits groupes, dans des groupes maison. Elle prend place euh, lors d'un dîner où il y a quatre, cinq, six croyants qui dînent ensemble. Puis, puis les gens regardent, puis hein, ils dînent ensemble, ils sont tous différents. Ils sont tous, euh, puis ils parlent de l'Église, puis ils parlent dans. Waouh, il wow, n'y a pas de chicane de famille là-dedans. Puis. Ça prend place à l'extérieur, il y a des dîners après les réunions, il y a des moments juste purement sociaux où les croyants se réunissent et démontrent à tous qu'est-ce que c'est de s'aimer réellement les uns et les autres dans un esprit de famille, dans un esprit de chaleur, dans un esprit d'acceptance, dans un esprit d'ouverture comme en église. C'est ça l'église, amen? Alors la vie en communauté renforce la croyance partagée. Puis en plus de ça, elle communique... À un monde extérieur qui regarde un monde non chrétien, voilà à quoi ça ressemble une communauté aimante. Ce qui est différent que notre société. C'est pourquoi je crois à l'importance de l'Église et d'y participer. Amen. Alors, en tant que, que groupe et que communauté, les douze disciples Jésus les a appelés à participer à son miracle. On revient. Donnez-leur vous-même, peu importe où ils sont rendus, peu importe, il dit, voici, ils vont faire l'affaire ensemble. Je vais les faire participer ensemble. Il prend tout le groupe pour les faire participer au miracle. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous sommes exactement là où Jésus nous veut et qu'il nous demande quelque chose que nous ne pouvons faire? Qu'est-ce qui arrive? Voici ce qui Mais, lui répondirent-ils, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Ils regardent à leurs affaires, à leur lunch, puis ils disent « Voyons non. Ils regardent à leurs compétences, à leurs moyens, à leurs ressources, et tout à coup, ils se sentent inadéquats, indignes, incapables. Ils sortent des raisons, ils sortent les excuses. « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. » Mais Jésus connaît tes excuses. Jésus connaît nos défaites. Jésus connaît les mille et une raisons pourquoi. Jésus le sait. Et c'est là que vient le test de foi. Il y a un test de foi parce que Jésus connaît tes défaites, puis il t'appelle quand même à apporter ce que tu as. Et souvent, on a ce, ce défi-là lorsque Jésus nous demande quelque chose, nous demande de participer. Et on dit à Jésus mais, mais Jésus, je, je suis vraiment trop occupé. Je suis vraiment trop occupé pour participer. Je suis vraiment trop occupé pour la job. Tu, sais, tu vois la job, Jésus. Tu, tu vois ma famille. Tu vois mes finances. J'ai peu de ressources. Jésus, tu vois, je suis tout croche. Je, je suis tout croche. N'utilise-moi pas Jésus, ça va être tout croche. Je suis tout croche. Je ne suis, suis pas assez intelligent. Je suis pas assez smart. Je ne suis pas assez dis discipliné. Ça serait trop demandant à Jésus. Ça, il faudrait sacrifier des affaires Jésus. Demande-moi pas ça. Le nombre de gens qui, qui viennent à. à Lorsque Jésus tend la main et dit, voici, participe, donne-leur vous-même. Nombre de gens qui ont peur, c'est normal. c'est normal. Le nombre de gens qui ont peur, qui ne se sentent pas prêts, qui ne se sentent pas dignes. J'ai gens qui disent, j'espère qu'ils ne vont pas me poser des questions. Je ne comprends pas tout encore. Puis en même temps, les disciples ont raison. Ils n'ont réellement que cinq pains, et deux poissons. Et Jésus le sait. Mais c'est lorsqu'on réalise pleinement notre incompétence que la foi est déclenchée. C'est lorsqu'on réalise pleinement notre incompétence, notre incapacité, ça déclenche la foi. Et lorsque la foi est déclenchée, c'est cette confiance que Dieu va répondre. Et ça t'amène à poser un acte qui est risqué, qui est un acte de foi qu'on appelle l'obéissance. Et lorsque tu obéis, ça t'amène la dépendance. Parce que là, les disciples, il y a un acte de foi. OK, je te fais confiance. On a cinq pains et deux poissons. C'est tout ce qu'on a. Et là, on te le donne. Puis s'il ne se passe pas quelque chose, on a juste la niaiseux Tu sais, Jésus? <laughs> l'obéissance qui amène une dépendance. Tu sais? La vérité, c'est que personnellement, j'aime mieux des gens qui ne se sentent pas capables que des gens qui pensent pouvoir le faire. C'est mieux, je pense que Jésus aime mieux des gens qui disent, voilà, ouais, Jésus, utilise-moi pas, je suis tout croché, utilise-moi pas, je pas les moyens, utilise-moi pas, je ne suis pas capable. Si tu me laisses sentir les mains, là, si tu agis pas, Jésus, ça va être un chaos. Je pense que Jésus aime mieux ce type de gens-là que de gens qui disent Ah, let's go, je vais le faire. Let's go, Ah, non, je suis capable de faire ça. Ah oh, non, ça va bien aller. Donne-moi ah, donne-moi donne ça, ça va aller. Je, je suis capable de le faire. Parce que les disciples avaient cette réaction. Mais Jésus, on a juste cinq pains de poissons. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Puis Jésus nous connaît, il connaît nos défaites, puis il décide d'initier ce qu'on appelle le « empowerment. Ah, un grand principe de leadership qu'on appelle l'empowerment, le on entend souvent ça, empower the people. Et, euh, et, et ça veut dire en français <coughs> l'autonomisation. Mais je vais continuer de dire empowerment parce que ça fait plus empowerment. Et euh, <coughs> empowerment, ça veut dire d'amener les gens à, faire, à le faire par eux-mêmes. Parce que ça leur donne de croître, ça leur donne de, une valeur, ça leur donne de mettre en application. C'est comme lorsque. Euh, il y a deux types de parents. Hein? Là, ceux qui disent à leur enfant, viens me voir, viens me regarder faire la job. Et ceux qui disent, viens, prends l'outil, puis je vais te montrer comment faire et tu vas le faire. Mais là, papa, je ne peux pas driller le trou. Non, non, vas-y, vas-y, drille le trou. Vous me suivez? Jésus, lui, va faire, va utiliser l'empowerment. Le Voici, vous allez le faire. Vous allez le faire. Et ce qu'il va dire, il va dire, apportez-les-moi, leur dit Jésus, parce que Jésus t'appelle à participer. Il dit, apporte-moi tes cinq pains de poissons. Et on, sait, on connaît la suite. Il va prier, il va rendre grâce, il va... Rompre le pain, distribuer le pain à ses disciples. Ses disciples vont partir avec cinq pains, deux poissons. Voyons, non, va, on va se faire ridiculiser. Au moins, c'est lui qui va se faire ridiculiser, pas tant à moi. Mais... Et, et là, il commence à distribuer, et finalement, ça ne s'arrête jamais. Et finalement, les corbeilles sont pleines. Et finalement, ils ont un lunch pour emporter en plus. Le miracle prend place. Et c'est qui qui a distribué la nourriture? Est-ce que c'est Jésus lui-même? Non, c'est les disciples de Jésus, tu sais les n'importe quoi là. C'est eux qui ont distribué la nourriture. C'est eux qui ont commencé à mettre la main à la pâte parce que Jésus veut dire voici, apporte-moi ce que tu as, je vais bénir, je vais faire le miracle et tu vas le distribuer et entre tes mains tu vas voir le miraculeux agir. Le miraculeux va prendre place. Alors apporte-moi ce que tu as. Amène juste au moins ce que tu as, ce que tu as le même si c'est minime, je vais m'arranger, je vais faire le miracle, même si c'est peu, amène-moi ce que tu as. Tu dis, ah, mais j'ai une éducation limitée. Amène-moi là ton éducation limitée. Je vais faire le miracle. Amène-moi ce que tu as. Amène-moi ton manque d'expérience. Amène-moi, ah, je ne suis pas crédible. Amène-moi là. Amène-moi tes peurs. Amène-moi tes insécurités. Je vais faire le miracle avec ça. Je vais m'occuper du reste. Amène-moi ton argent. Amène-moi ton peu d'argent. Amène-moi ton peu de temps. Parce qu'on a tous peu de temps. Amène-moi ton peu de temps. Je vais m'en occuper. Je vais faire le miracle. Je vais multiplier. Je vais m'arranger. Amène-moi-le. Et ce matin, c'est sans condamnation que je dis ça. Ce n'est pas dans le sens fais-en plus. C'est pas dans le sens faisant plus, donne-en plus. Non, c'est dans le sens amène ce que tu as à Jésus. Amenons ce que nous avons cinq pains et deux poissons. Et voyons Jésus faire du miracle entre nos mains. Je suis tellement heureux que ce soit la mentalité de notre Église. Tellement heureux de voir cette semaine, j'ai passé ma dernière semaine avec cinq jeunes entre 17 et 21 ans. Cinq jeunes qui ont participé à ce qu'on appelle le stage interne. C'est cinq jeunes qui ont sacrifié, qui ont donné. Ce qu'ils ont, leur jeunesse, une journée par semaine, euh, à, à juste venir à l'Église, œuvrer, puis participer, puis apprendre, apprendre à être un plus grand disciple de Jésus, à grandir dans leur foi et, et à s'investir dans l'Église. Euh, Lily était là-dedans, c'était une joie de le côtoyer durant tout cet été. Et aussi Sarah Bouzaï, qui est en ce moment avec nos jeunes, nos enfants de 3 à 5 ans, qui étaient dans euh, ce groupe-là. Quelle joie de voir des jeunes qui disent Voici ce que j'ai. Je ne suis pas grand-chose, je suis un jeune. jeune. Mes parents, je vis chez maman-papa, je commence le CGEP. Mais voici ce que j'ai, Jésus, faisant ce que tu en veux. Voici ce que j'ai, voici ce que je suis, faisant ce que tu en veux. Je veux voir le miracle. Puis on a vu du miracle prendre place euh, au milieu d'eux, de des jeunes qui ont grandi, qui ont avancé, qui ont, euh, je dirais même, brisé des murs euh, par leur foi. Ça me bénit, ça me bénit. Je remercie Dieu que ce soit la mentalité même de nos bénévoles ici à l'église de Portail. De voir des gens qui servent semaine après semaine et qui disent Voici ce que j'ai, voici ce que j'ai. Pas grand-chose. Voici ce qu'on a, Jésus. Voici ce qu'on a, Jésus. On a, on, a, voici, on, a, on a des moyens, on s'arrange, on a des affaires. Voici ce qu'on a, fais le miracle, fais le miracle. Voici ce qu'on a. On a juste une salle de cinéma. Ça ressemble pas à une église vraiment, hein? c'est pas typique, c'est un peu spécial, on est poigné à monter, démonter tout ça à chaque semaine, puis... mais voici ce qu'on a, hein? c'est pas la mentalité de notre église, voici ce qu'on a Jésus, voici ce qu'on a. a, on pourrait chialer, dire, ah j'aimerais savoir 10 pains, puis 20 000 poissons, on pourrait dire ce qu'on veut, mais voici ce qu'on a Jésus, on a 5 pains de poissons, utilise-nous, là où nous sommes, voici ce qui on est, on est on était une quatre-vingtaine Jésus, voici on est, 80... on est une centaine, voici Jésus, on est rendu 100, 115 personnes, 120, 20 personnes qui se réunissent dimanche après dimanche. Voici ce qu'on est, Seigneur. Entre tes mains, fais le miracle. N'est-ce pas notre mentalité, Église? Voici ce qu'on est, voici ce qu'on a. Jésus, fais le miracle, fais, fais le reste. Multiplie-nous. Amen. Parce que si nous nous disposons entre les mains de Dieu, de ce Dieu si grand et si puissant, le miracle prend place. Et notre foi grandit. Croyez-vous que les disciples sont restés indifférents lorsqu'ils ont commencé à distribuer et donner le pain? Puis de dire aussi oh, y en a un, oh, si, je ne sais pas s'il si va en rester pour toi, je ne sais pas s'il si va, si va en rester. Oh non, il en reste, il en reste, j'ai un lunch, wouhou! Il en reste. Ils ne sont pas restés indifférents. La foi est activée. Leur croyance, leur foi, leur, leur, leur confiance en Jésus viennent juste de, de, de grimper d'un cran. Waouh! Jésus a béni, Jésus a fait le miracle, et même, ça s'est passé entre mes mains. Ça s'est même passé pendant que je le faisais, pendant que je participais. Je vais inviter les musiciens à s'approcher, à venir me rejoindre. Durant cette thématique, comme on l'a répété, mais on veut vraiment s'accéder prendre des temps de louange ensemble, plus profond dans, dans la présence de Dieu. Tu te demandes ce matin comment je pourrais participer, comment Max, je pourrais participer, moi, à, à l'œuvre de Jésus, ce que Jésus bénit. Je crois que Jésus bénit, peu importe l'œuvre, lorsqu'on aime, aime le prochain. Lorsqu'on aime son prochain, je pense que Jésus bénit déjà en partant. Parce que c'est ce qu'il nous a demandé. Hein? Aime Dieu et aime ton prochain. Quand tu fais juste aimer les gens autour de toi, Jésus bénit. Commence à juste aimer les gens. Pour certains, c'est beaucoup. <laughs> Comment juste à aimer son prochain? À peut-être t'investir, peut-être que tu as du temps, tu es à la retraite. Tu peut-être dans un organisme de la région. Commence à aider, peut-être tu es un papa, tu n'as pas beaucoup de temps. Papa surchargé. Comment juste à peut-être aider ton voisin une fois de temps en temps? Prendre connaissance avec. Commence juste à, à participer à l'Église, à venir à l'Église, à t'impliquer même peut-être. Juste commence à, à participer, mettre la main à la pâte, dire voici ce que j'ai. Je veux que le miracle prenne place entre mes mains. En étant généreux, juste donne quelque chose à quelqu'un. Juste donne. Tu sais, des fois, on peut vendre, mais donne. Juste, je te donne. Je te donne. Je veux être généreux, je vais généreux. Je veux donner. J'aime mon prochain. Tu sais, je ne prêche pas ce message pour trouver des bénévoles, hein? Right? Je prêche pas ce message pour trouver des bénévoles. Mon intention, c'est vraiment que des gens s'activent et participent au royaume de Dieu pour que la foi grandisse et soit déclenchée en nous afin que nous grandissions dans notre vie de disciples. Que notre vie de disciple grandisse. Et si tu réfléchis, je crois qu'il y a au moins 46 moyens. Que tu peux aimer ton prochain cette semaine. Que tu peux commencer à juste prendre une petite décision, une grande décision pour ta vie. Je te demande juste de, de dire à Dieu, Père, me voici. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Dis-moi ce que tu veux que je te donne. Je te le donne. Me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quels sont les cinq pains de poisson que tu veux que je te donne? Où tu veux m'envoyer Qu'est-ce que tu veux me faire participer Me voici. Je suis là. Utilise-moi. Amen.